Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre workout de LB Wellness. Et aujourd'hui, on va faire un workout qui ciblera plus les jambes et les fessiers. Et donc, il est un peu particulier cet exercice parce qu'on n'a pas de temps de pause entre chaque exercice comme on a toujours l'habitude de faire. Donc, la structure de ce workout en fait est composée de 6 exercices. Donc voilà, chaque exercice, on le fait 5 fois, on fait 5 pulsations et on répète le mouvement pendant 5 fois. Donc on inclura bien sûr des échauffements et des étirements à la fin de ce workout. Et donc c'est parti. Donc pour les échauffements, on va commencer avec un squat plus un side raise pendant 30 secondes. Là, on va faire un scale hops. On en prend 30 secondes. Ensuite, on va faire un boxing shuffle. On pourrait sur place. On va faire touch kicks. Rassurez-vous de rentrer le ventre. Dans 30 secondes, on fait chaque mouvement. Et on finit par un high knee. Je le veux. Et voilà. C'est terminé pour les échauffements et on va tout de suite passer au workout en lui-même. A tout de suite. Donc voilà pour la partie de ce workout. Donc on va faire les 6 exercices dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer avec le kneeling leg raise. Et on va commencer avec la cuisse droite. Un mouvement. 2, 3, 4, 5. 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est reparti. 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
Dernière pulsation. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va changer de côté. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulsations, 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est terminé. On va tout de suite faire après les bridges. Donc cette fois-ci, on va se mettre sur notre dos. On essaye de ramener les talons vers les fessiers. Et on va faire le même type de série. Donc 1, 2, 3, rentrez votre ventre, 4, 5, 5 pulsations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quatre, cinq, cinq pulsations. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, dernière série. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, et on redescend tout doucement. Donc voilà, le prochain mouvement, ce sera les squats. Donc voilà, on va faire les squats et voilà, on fera le même type de série, 5 répétitions, 5 pulsations, et on reprend depuis le début. C'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour le dernier exercice, on va faire les lunges. Donc, un pied devant, un pied derrière. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez mal aux cuisses, vous pouvez vous arrêter juste pendant quelques secondes. Ok, et reprenez tout de suite. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, quelques secondes, on va faire les mêmes mouvements sur la jambe droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Assurez-vous d'avoir un torse d'être assez droit. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième série, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4.
4, 5, oh là, c'est parti, ah, dernière série, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé et on va tout de suite passer aux étirements. Donc voilà pour cette partie, on va faire des étirements. Donc c'était ça, c'est assez important si vous voulez, vous voulez pas avoir des blessures musculaires plus tard après. Donc voilà, ce sera 20 secondes par mouvement et donc c'est parti. On va donc commencer avec le quad stretch. On va s'allonger au sol et on va tirer sur l'autre jambe droite. C'est censé étirer le muscle qui se trouve au devant de votre cuisse. Donc voilà, on change de jambe. Ouf, je suis moins flexible avec mon côté gauche. Donc, on va faire le inner thigh stretch. Puis on va essayer d'étirer l'autre côté aussi. Bon, c'est environ 20 secondes par mouvement. Donc là, on se plie au niveau de la hanche, voilà. Vous allez ressentir des étirements au dos de votre jambe. On va faire pareil sur la jambe droite. On va étirer nos mollets. Voilà. On essaie de ramener le talon au sol. Pareil avec la jambe droite, on essaie de ramener le talon au sol. On va faire un good stretch pour étirer les adducteurs. Allez, on tire la jambe droite. Voilà, vous allez sentir du stretching au niveau des adducteurs. On change de jambe. On fait pareil avec la jambe gauche. Donc voilà, c'est terminé pour ce workout spécial jambes et fessiers. Donc voilà, on se dit à la prochaine et bien sûr dites non à la maladie, aux insécurités et oui au bien-être et à la prochaine.